Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue pour ce 12e épisode de Spyro le Dragon 2, hein, je redis le dragon, hop, ah, tenez, j'avais jamais vu, ah oui, nous sommes sur les rivages du dragon, donc c'est des dragons qui font un peu hommage aux anciens, donc ici, il y avait une petite piscine, je ne sais pas quoi, elle devait servir à quelque chose, mais ils ont dû enlever des trucs, donc voilà, bon maintenant ce sont des... Plus des épisodes pour aller défaire Ripto vu qu'il a été défait. Nous allons faire le 100% qui nous amènera à revenir ici car derrière cette porte il y a le. C'est le niveau ici du 100%, mais le monsieur veut que je ramène tout. De les orbes. Donc Toundra hivernale, ça me ramène à l'ancien endroit. Hop. Et l'on revient tranquillement à l'ancien, à l'ancienne zone juste avant. Hop, voilà. Ah, un petit bug. Ah non, voilà, j'essayais de régler un petit souci de le rivage du dragon. Donc c'est là où je devais aller au tout début du jeu, mais malheureusement j'ai été renvoyé là où j'étais. On va retourner à la forêt d'été. Ah, apparemment dans la forêt d'été, voilà, j'ai oublié quelques joyaux qui doivent être cachés par-ci par-là. Je vais aussi voir s'il n'y a pas. Alors je vais voir si j'ai pas oublié, si une j'ai oublié une cinquantaine de joyaux. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi. Ici, il me manque un joyau, donc il manque une idole. Hop. Je vais essayer de faire les joyaux aussi de la grande zone. J'avoue que j'en ai oublié, je me demande bien où. Ah oui, je me souviens qu'il y en avait un, il y en avait un là-haut. Je vais aller voir. Hop, hop. Voilà, non, ici c'est pour aller dans les zones, tout dans l'hivernal, vous avez vu, il n'y a plus rien. Je vais tenter quelque chose. Je pense que pour avoir l'orbe, c'est par ici. Et moi j'espère. Donc j'ai plus de facilité avec le mode vol, quoique. Sachant que comme comme le précédent opus, les vols, je vais aussi les faire à la fin. Qu'est-ce que je peux atterrir? Non, c'est un peu plus loin. C'est un peu trop loin, mais je vais y aller par ici. On va voir si je peux y arriver de là. C'est un peu dur, mais je sens que c'est peut-être pas faisable, mais je crois avoir avoir vu quelque chose de caché derrière. Donc ça veut dire qu'il y a un passage quelque part. Je me crois me souvenir qu'il y a un passage. On va aller voir ça. Non, c'est pas par là, c'est tout au fond. Par si je me trompe. Ah, vous voyez, j'ai oublié un joyau ici. Voilà. Peut-être un passage par ici. Généralement, il y a toujours un trou caché quelque part. Non. Rien. Bizarre, bizarre. Peut-être à l'entrée. On va aller voir ça. Je vous dis, je vais essayer de tout récupérer pour faire comme dans le premier opus, le 100%. Spiro, voici le. Non mais je sais. C'est bizarre que ça soit pas désactivé, ça. Donc je sens qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir ici. Peut-être là-bas au fond. Je suis pas allé. C'est vrai que je suis pas allé par là. Et oui, vous voyez, il y a un. J'ai oublié, il y a un passage ici. Allez, vous voyez, je pense que. Il y a quelque chose ici. Oui, vous voyez, il y a un trou. Je pense que ça va m'emmener jusqu'à l'orbe qui est cachée. Vous voyez, en plus, il y a des joyaux, donc. Je pense que. J'arrive au bon endroit, oui. J'arrive tout à fait au bon endroit.
Voyez, c'est bien ce que je pensais. Par contre, je n'ai pas. Voilà. Je n'ai pas tous les joyaux. Est-ce que j'en ai oublié? Je regarde. Il m'en manque une dizaine. Ou j'ai voulu oublier un. 1 et un 10. Ou j'ai oublié des 5. On va aller voir ça. Hop. On va retourner en arrière. Bon, ça, c'est des poissons décoratifs. Non. Alors, je pense pas les avoir oubliés. Voilà, et regardez. Il y en a un là. Ça, c'est un 1. Donc, il doit y avoir un 10 de l'autre côté. Du moins, je pense. Ou un endroit où je l'ai dû l'oublier. C'est peut-être à l'entrée. Donc, ça, voilà, c'est lueur. C'est le premier. Hop. Il doit y avoir un 10 parce que là. Ou 2, 5. Mais là, je suis sûr que. Là, je termine. Je regarde, j'ai combien d'orbes. Et il m'en manque encore. Il y en a des bien cachés, donc elles doivent être à l'entrée. Donc, par ici, je vérifie que j'ai rien oublié. Cette salle est vide. Cet arbre au milieu m'intrigue. Ah, vous voyez, il a bien fait de m'intriguer. Il y a des trucs sur le dessus. Ah, mais oui. Suis-je bête? Il y avait des endroits que je n'ai pas. Hop, parce que je n'avais pas les pouvoirs qu'il fallait. Donc là, je pense que je suis bon. Hop. Quand il me restera. Voilà, une orbe, je crois. Voilà, j'ai les 400 joyaux. Et par contre, il me reste une orbe, donc je pense que ça doit être vers la sortie. Parce que si je me souviens bien, il y avait un passage aussi du même de la même façon ici, circuit marin. Donc non, c'est un circuit. Ce passage m'intrigue beaucoup. Je l'avais déjà vu, mais est-ce que je vais tenter quelque chose? Peut-être pas très. Ah non, je vais tenter un autre truc un peu plus dur à faire. Le passage de fenêtre en fenêtre. Voilà. Et voilà. Voilà, bon bah donc on va aller faire tous les. Mince, pas sur le bon chemin. Ah, voilà. Je vais aller retourner au premier. Sur le premier niveau. Donc là. Hop, un plongeon un peu hasardeux. On va aller à lueur. Donc le premier niveau qu'on fait dans le jeu. Pour récupérer tous les joyaux qui me manquent. Alors, souvenez-vous, il fallait que je grimpe sur une échelle pour pouvoir. Maintenant que j'ai tous les. J'ai tous les pouvoirs, tout ça, donc je pense que là, je serai bon. Et je pense que le. Les derniers. La dernière orbe, je sais où elle est. Et les derniers joyaux aussi. Donc je regarde, bon, il manque carrément 80, au moins bien 80 joyaux. Hop, excusez-moi messieurs, mais j'ai besoin de vous. Aussi, hop. Je vais rentrer dans la grotte vu que j'en ai besoin. Voyez l'échelle, rappelez-vous. Voilà, non, il faut quand même que je tue pas mal de. Là, je récupère ces joyaux-là. Je vais aller en récupérer. J'en ai que 5. Ah, va falloir que. J'en tombe plusieurs. Hop, voilà.
toi viens ici. Voilà aussi. Hop, hop, et hop. Très agile le Spiro quand même. Hop, très agile, sauf qu'il ne devient plus très agile vers les prochains, vers les opus qui sont sortis par après. Mais bon, je n'en parlerai pas vu que il... Hop, voilà. Je vais aller faire la quête. Donc je disais, je n'en parlerai pas des Spiro qui sont sortis sur les autres parce qu'ils m'ont fortement déçu. Dont un jeu dont je tairai le nom. Hop. Non, merci de me couper la parole. Je tairai le nom parce qu'en fait, je... Une fois, je l'ai prêté à quelqu'un, il a cru qu'en fait, il y avait un souci de, comment ça s'appelle, de chargement, en fait. Et en fait, non, c'est le jeu qui était totalement comme ça, qui, en fait, dès qu'on arrivait entre deux niveaux... Hop. Voilà. Il m'en reste un. Je vais y arriver. Ah, bah non. Ah, j'en ai oublié un. Ah. Donc, je disais, oui, le... Le jeu était complètement buggé. Un Spiro complètement buggé, c'est. Au début, j'ai cru. Moi aussi, pour ma part, j'avais cru que c'était. Ma PlayStation qui faisait défaut à l'époque, et ben non. Voilà. Merci de m'avoir aidé à. Voilà, la dernière orbe, et maintenant je vais essayer de récupérer les derniers joyaux qu'il me manque. Apparemment il a craché des trucs, je me demande si c'est pas des... Non, c'est... il fait juste un effet... Ah mais non, je suis bête. Je suis pas allé sur la plateforme, et je pense que c'est les derniers. Moi je pense... Et donc voilà, oui, donc je l'avais prêté à quelqu'un qui croyait que c'était en fait, non, le jeu était complètement buggé. C'était, je crois, le premier Spiro, je ne sais plus le nom, mais je ne dirai pas le nom parce que je vais vous dire tous les Spiro suivants étaient un peu décevants. Et il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous de la même licence. Je vais vérifier, il m'en reste une quarantaine, donc j'ai dû oublier une... Je vais voir à la fin si j'en ai pas oublié. Je pense que j'ai dû en oublier. À la fin, au début où je sais. Ah oui, vous voyez, il y en a là-haut. Excusez-moi, cher ami. Hop. C'est vrai que je suis un peu passé vite dans ces zones. Pour pouvoir vous emmener le plus rapidement possible sur. Et vous voyez, voilà, les derniers doivent être ici. C'est plus que sûr. C'est carrément plus que sûr vu le nombre de joyaux qu'il y a. Voilà. Et je pense que ça doit être le dernier. Voilà. Donc le monde de lueur terminé. Je vais pouvoir passer au suivant. Spiro. Ah, c'est très embêtant, ça fait perdre du temps alors que. Ce portail magique. Ah, c'est pas désactivé, c'est pas pris en compte par le script apparemment. Hop, hop, donc hop. Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de cinématique pour avoir fini le niveau à 100% et voir le fini le niveau normalement. Hop, donc je vais aller. Donc je vérifie quand même. Carnet. Saint-Idole, on va les faire dans l'ordre. Dans l'ordre, pas que je les ai fait, mais l'ordre des portails que je vois. Ah non, non, mais c'est pas que je t'aime pas, Elora, mais c'est juste que c'est un peu embêtant d'être coupé en plein milieu d'une course. Voilà, Saint-Idole. Je vais me mettre dedans.
Donc on va rechercher tous les joyaux, les orbes qui me manquent. Hop, donc là apparemment, voilà. Ça c'est les joyaux qui manquaient. Ah oui, il y a un passage par ici. Je m'en souvenais plus du tout. Je vais vous dire, il y a des choses que je ne me souvenais plus du tout. Comme je vous ai dit un peu au début, ça fait super longtemps que je n'y ai pas rejoué. Je fais justement ce let's play pour pouvoir y rejouer et vous le présenter à ceux qui ne l'ont pas connu ou ceux les plus nostalgiques d'entre vous. Donc voilà, hop, là il y a un passage, ça doit m'emmener à une quête je pense. Ou à d'autres joyaux. Non, à une quête. Donc, tuc. Ah ben voilà. En même temps, ça me fait les 400 joyaux. Ah oui, oh là là. J'ai été enfermé. Oh là là. Ah oui, non. Je suis pas totalement fort à ce genre de jeu, mais des fois. Faut que je voie comment ça se marche. Donc voilà, ouais, c'est en fait c'est le même système que tous les blocs. Voilà, c'est facile. Voilà. Ah oui, il y a plusieurs petits mini-jeux comme ça. Ah non, c'est... Ouais, il a dit qu'il était coincé ici, mais me demande de le rejoindre à l'étang. Donc là, c'est la dernière orbe. C'est vrai que la caméra, c'était un peu embêtant, à part si on... Non. Voilà, bah là en fait il faut que je repasse le chemin normal, donc faut que je rebatte encore tous les mobs qui me rouvrent toutes les portes. En fait il n'est pas sauvegardé totalement, hop. On continue, hop, ces mobs sont pas si méchants que ça. Ils font un air, mais cher ami Benji, ils étaient quand même bien rigolos pour l'époque. Hop, bon. Par rapport au dernier, je reviens encore au dernier Spyro qui sont encore, je sais pas s'ils sont encore d'actualité vu que Spyro a été très récemment mis au rang de personnage secondaire, ce qui est fort dommage. Bon, vaut mieux ça que d'être pourri dans des opus j'ai peut-être raté la zone où était ce personnage. Il m'a dit à l'étang, mais je suis... C'est peut-être pas le bon. Je vais refaire demi-tour. Passage par ici. Non plus. En plus, c'est la dernière orbe, donc il faut pas que je me rate. Ah bah, il est ici. Je suis parti trop vite. Ah oui, c'est le fameux jeu comme dans les fêtes foraines, hop, vous devez lancer dans la bouche. Ah, je crois que il n'y a qu'un type de poisson qu'elle l'accepte. Voyez, voilà. Genre, si je donne que des bleus, elle mange que les bleus. Ou je crois que c'est les jaunes et les... Ah, ouh, j'allais faire une erreur. Hop. Tu que je réfléchisse bien. Non, c'est encore un rouge. Encore un rouge. Peut-être le jaune, peut-être. Je vais voir s'il est rouge. Non, voilà, les rouges, ils ne les mangent pas. Les poissons rouges, pourtant, c'est bien. Voir si jaune et rouge. Non, encore un jaune. Non, rouge apparemment tu ne les aimes pas.
Ah, le jaune. Le bleu. Apparemment, il n'y a que les jaunes et les bleus. Les rouges n'les acceptent pas. Bon, il ne reste plus que des rouges dans cet étang. Surtout que ça devient un peu stressant vu qu'il n'y a que des rouges qui apparaissent. Il fallait faire preuve de patience, c'est bien, il y a quand même des mini-jeux de patience. Bon, donc les gens qui aiment pas trop patienter dans des jeux, je pense que ça doit être... Est-ce que... Ouf. Encore deux. C'est bien, ça boussit, ça rebondit, c'est sûr. Les... On va faire voir les bleus. Ouf. Les bleus sont encore acceptés. Et là, ça devrait être bon. Bon, Spiro. Donc voilà, les pierres colorées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, hop. J'aurais pu passer par un autre chemin, je... Je fais donc je fais donc à la manière hop normale. Voilà. Je me rappelle plus trop. Si tu sautes d'une pierre à... une pierre à l'autre dans le bon ordre. Que je compte. Ah ben suis-je bête. Vas-y, continue. Attendez, attendez, que je me fasse pas avoir. Ah, suis-je bête. Voilà, en fait il faut jouer avec les formes et les couleurs. Donc là vous voyez c'est un losange. Oui, c'est un losange. Ah non, c'est voilà, hop, c'est ça. Ah non, mais c'est raté. Oulala, là là. C'est encore plus logique, je pensais. Hop, voilà, donc c'est l'étoile, l'étoile. Si. Je sais même pas du tout. Là, bon, c'est la lune. Voilà. Bon, alors là, j'ai pas trop bien compris. Bien joué, Spiro. Et voilà donc le dernier. Donc je vois qu'il me reste pas beaucoup d'orbes, d'orbes parce que il m'a indiqué qu'il en avait 55. La personne au rivage du dragon, c'est par ici. On peut pas monter si. Voilà. Il m'en avait 55 et 8000. 8000, j'en ai combien en totalité? 7800. Il me reste que 200. C'est bizarre. Je trouverais ça bizarre. Ah, mais non, je crois qu'il y en a plus. Je ne sais plus. C'est vrai que c'est un peu drôle par rapport aux 14000 qui est au 12, ouais, aux 14000 du premier Spiro sans moins riche à Valar. Donc hop. Et au moins eux ils ont des quêtes. Donc on va aller faire la suite ou du moins le suivant. Je vais vérifier. Donc encore le carnet Colossèse que je ne me souviens pas où c'est que j'ai oublié une orbe.
quoique. Souvenez-vous, c'est celle où j'avais galéré pour certains, pour retrouver, je ne sais plus quoi, je pense que c'était un. Voilà. En me concentrant, je veux. Ce qui est embêtant, c'est que quand vous l'avez déjà fait, il faut quand même le refaire. Hop. Je sais où il faut aller. C'est vrai que même qu'il y a encore, ils sont pas totalement disparus. Hop. Pourquoi utiliser une clé ? C'est vrai que c'est très embêtant ce. De se faire aïe. De se faire couper en pleine route. Est-ce que j'ai oublié des choses en bas ici? Donc je vais quand même vérifier. Est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai tous les joyaux. Ah mais il me manque une orbe. D'accord. Donc ah oui, oh, mais oui, bien sûr. J'avais oublié de faire la. Heureusement les. Ceci reste. Ce qui est bizarre. Hop. J'ai oublié dans le. Donc là, il faut que je re-rende, je pense. Ça refait la cinématique. C'est vrai que c'est un peu embêtant qu'on est obligé de. On soit obligé de tout refaire. En plus on peut pas la passer celle-ci. Je pensais que le Yeti. Ça fait un peu perdre du temps. Ça c'est. Bon, sinon le jeu est d'époque, donc on va pas pleurer pour ce petit truc pas très. Un peu embêtant. Hop, je vais aller. Donc je pense que c'est le dernier. Bienvenue. Je suis obligé de tout recommencer. Ah là là. D'accord, je sens. Ah. Je sais qu'il y en avait un second. Hop. Essayer de le. Non, c'est... je me suis fait avoir. Voilà, je rentre dans les cages, je fais le méchant. Ah. Vilain. Heureusement qu'il peut pas marquer dans mon camp, parce que sinon il gagnerait souvent. Voilà. Et c'est ça, tape-moi dessus. Ça donne un effet. Hop. Ah, oula, j'étais dans le bon sens hein, pour une fois. Hop. Encore un coup. Non. On rentre dans les cages, allez. On essaye de passer vite pour pas arriver à la suite. Parce que ça, vous l'avez déjà vu dans le second opus. Dans le second épisode. Hop. Attention. Yop. Hop, donc j'étais dans le bon sens aussi. Hop, et là c'est le dernier, en espérant que je ne galère pas. Je vais faire la méthode, je te. Non. Bah je vais faire la méthode, je passe. Ah, mais oui, il peut me le faire recracher. Vous voyez, je galère. J'ai voulu tenter un truc de mes cages, mais en fait je vais rester sur le truc parce que là c'est critique. Et voilà. Bien joué. Donc ça je l'ai déjà. Veux-tu disputer un. Oui, je pense que c'est là. Et voilà, là c'est un peu plus difficile. Voilà. Là il est un peu plus
fait comme le vrai hockey, on tape son... son... Ah, si tu pouvais tirer dans le... Oula, 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 ça sent mauvais. Et bien sûr, donne-lui la palette aussi. Là, là. Allez. Allez. Je récupère. Je peux l'avaler. Je suis habilité pour avaler les palettes. La caméra, c'est pas ça encore. Allez, allez, allez. Je sens que ça va durer un moment. Il m'a demandé 5 points. Ah bah en plus, il a 2 points d'avance. Ah mais par rapport à ton... Moi le... Ma cage est contre moi. Voilà, j'essaye de revenir au score. Ça va être dur. Voilà. Ouais, bon, j'essaye de revenir au score, j'y suis encore un peu loin. Et voilà, et toujours ma cage qui me rend, qui renvoie la palette. Voilà, par rapport à lui qui... Ça, c'est un peu... Ah, il me l'a pris en route. Je sens que je vais perdre sur cette partie, mais soyons confiants. Voilà, je suis passé devant, mais malheureusement, voilà. Ah là là, mais ce... Où est la palette? Je sais même pas lui. Hop, voilà. Il va tenter de me contrer, mais je vais le contrer. Et voilà, je reviens très faiblement, lui il a plus qu'un point à avoir. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais encore me faire voir. Ah ou pas. Merci, mon ami, pour une fois. T'es gentil avec eux. Oula, j'allais pas. J'allais marquer contre mon camp. Vous voyez, hop. Voilà, c'est ça. Il envoie directement sur. C'est trop dur. Donc, je vais le refaire. Hop. J'ai compris la tactique. Hop, là, il va l'envoyer encore sur lui, bien sûr. Là, il va tenter de me contrer. Non, là, j'ai tiré pas très droit. Voilà. Hop, il lui envoie à chaque fois sur lui, mais je vais tenter cette fois-ci de tout contrer pour hop, voilà. Vous voyez, je mène. Donc malheureusement, ça commence à être la fin de la vidéo. Je devrais vite finir, mais je pense que là, ça va être mieux. C'était le premier, était juste l'échauffement. Ah, je sais plus. On va aller voilà. Si même la palette me troll. Où est-elle? Elle est ici. Il me l'a pris en route. Je sens qu'il va m'avoir. Ah non. Que fait-il? Ah ouais. Ouais. Cette caméra est un peu dure. Bon, j'espère qu'il reviendra pas au score. Et ce gardien qui est contre moi. Oula, mais. Voilà. C'est. Voilà, là je le mène un peu comme il m'a fait pour la première partie. Hop, voilà. Regardez, il lui donne alors que moi je suis obligé d'aller la chercher à perpète les ouailles. Hop. Oula, j'ai cru qu'il allait revenir dans le...
cher ami, je vais prendre de la hauteur pour pouvoir voir où c'est que notre ami se cache. Vous voyez, il m'a fait cracher avant. Où est la palette? Oula, oula. Aïe. Mais c'est ça, on voit lui direct dessus. Gardien qui est contre vous, je vais demander à l'arbitre de changer les règles. Ah, bah apparemment, on va pas lui dire de changer les règles maintenant. Raté. On va aller dans les cages. Voilà. On va jouer au hockey tricheur, si c'est le cas. Box du machin est pas très bonne. Ah, il est en train de remener alors que moi je galère. Et oui, toi tu n'as pas le problème de la caméra, cher ami. Hop, on la récupère. Ah non, on la récupère pas de cette manière. Non, cher ami, tu ne l'auras pas. Voilà. Oula. Où est-il? Vite, rattrapons-le avant qu'il tente de mener. Et le gardien, bien sûr. Hop, on va se placer bien. Il faut bien jouer avec la caméra, mais c'est très dur. Hop. Ou je le sens mal, celui-ci. Où est-il? Je vais tenter de gagner là, parce que là c'est extrêmement serré. Bon, c'est trop dur. Je tente donc, bon, ça me met un peu mal à l'aise parce que voilà, c'est la fin de la vidéo. J'aurais préféré le réussir, mais bon, là pour une fois, je vais finir sur une défaite, mais. Je vais repartir pour le prochain épisode, parce que là, malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Donc, on va finir là-dessus. Malheureusement, ça me déçoit un peu, parce que, voilà, j'aurais préféré le réussir, mais malheureusement, avec ces problèmes de caméra, qui étaient un peu les problèmes de l'époque, je pense que j'avais dû bien galérer à l'époque pour le réussir. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi sur une défaite, mais je vous promets la prochaine, je vais la gagner, je vais pas me laisser faire. Donc voilà, donc je vous dis au 13e épisode, le 13e épisode, moi je n'ai pas de problème avec le chiffre 13 par rapport à d'autres, donc voilà, donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, allez salut à tous.